Pourquoi les poules pondeuses boivent les œufs? Pourquoi les poules pondeuses consomment les œufs aussitôt pondus? C'est dans cette vidéo, vous aurez tous les détails. Hello, soyez la bienvenue sur la page YouTube et c'est vos services d'élevage et d'agriculture. Là où nous parlons de tout ce que nous maîtrisons, nous mettons en pratique tout ce que nous disons pour obtenir de très bons résultats. Je me nomme Abdul Khamis Massi, votre ingénieur des techniques d'élevage. Je suis également qualifié en IACP, ingénieur agroalimentaire chimique option production et en ATPA agriculture tropicale option production animale. Dans cette vidéo, je vais vous détailler, je vais vous dire que faire pour éviter que vos poules pondeuses ne boivent leur production. Ça veut dire les œufs. Lorsqu'on parle des conséquences, c'est qu'il y a des causes. Cause numéro 1, vous avez d'abord le débécage qui a été mal fait ou le débécage qui a été fait en avance. Je répète bien, on va aller en français terre à terre parce que tout le monde sur cette plateforme n'est pas là à l'école. Pourquoi les poules pondeuses mangent les œufs? Pourquoi les poules pondeuses consomment les œufs? Pourquoi les poules pondeuses boivent les œufs qu'ils ont produits eux-mêmes? Vous avez d'abord en premier le débécage qui a été mal fait. Vous avez le débécage qui peut être fait trop tôt. Lorsque le débécage est fait trop tôt, les becs vont repousser et les sujets auront la facilité à percer l'œuf ou à casser l'œuf. Lorsque on fait ça mal, ça va également repousser. On dirait même pas qu'on a débéqué. Et également, elles auront une facilité de percer et de casser les œufs. Donc, ça c'est les deux premiers cas. Le troisième cas, c'est que lorsque l'œuf se casse à la ferme, je vais ramasser les œufs. Je vais ramasser les œufs, par exemple. Un œuf qui est dans votre main, ça tombe. Vous aussi, aussitôt de les ramasser, vous laissez. Elles viennent boire. Elles vont prendre le goût de l'œuf, elles vont casser. Maintenant, il y a un quatrième cas. C'est le fait de ne pas les ramasser les œufs rapidement. Vous savez, matin, à partir de 8h, tout de suite, tout 7h30, jusqu'à vendredi 13h, 14h. Les sujets, surtout de 7h38 à midi, les sujets sont en pleine productivité. Donc là, il faut aller ramasser chaque 30 minutes, chaque 30 minutes, pas te ramasser les œufs. Chaque 30 minutes, le matin jusqu'à midi, chaque 30 minutes. Et maintenant, le soir, vous pouvez attendre chaque 1 heure de temps pour aller ramasser. Si vous faites ça, les sujets ne vont pas boire les œufs. Si vous faites ça, les sujets ne vont pas casser assez d'œufs. Parce que quand les œufs se cassent, c'est une perte pour les fermiers. Imaginez, si vous avez un plateau de perdu par jour. Dans le mois, ça fait combien de plateaux? Ça fait 30 plateaux. 30 plateaux multipliés par le prix unitaire de la plaquette. Vous connaissez déjà le prix. Donc, je récapitule. Je récapitule. Qu'est-ce qui peut être à l'origine du fait que les sujets consomment, du fait que les sujets boivent, mangent les œufs, qu'elles me vont pondre? Je vais récapituler. Vous avez plusieurs cas. Vous avez les débecquages qui a été fait trop tôt. Les becs vont repousser. On ne dirait pas qu'on a débecqué. Vous avez le débecquage qui a été mal fait. Le débecquage qui a été mal fait. Dans ce cas encore, les becs vont repousser. On ne dirait pas qu'on a débecqué. Ça sera bien pointu. Ils auront la facilité de percer l'œuf ou de casser l'œuf. Vous avez le fait qu'on ne va pas ramasser à temps les œufs. De 7h30 à midi. Chaque 30 minutes, il faut aller ramasser les œufs. Et dans l'après-midi, chaque 1 heure et temps, il faut aller ramasser les œufs. Maintenant, le quatrième cas, c'est le fait que, par accident, souvent, le feu qui était dans ta main en ramassant pour tomber. Ça se casse, tu ne ramasses pas, tu laisses en bas d'eux, elles vont venir boire. Et lorsqu'elles vont prendre goût dedans, tout le monde va le faire, tous vos poules le feront. Comme vous pouvez, vous allez, vous pouvez, vous allez des plateaux par jour, et lorsqu'elles ont plus goût dedans, franchement,
Franchement, c'est une perte totale chaque mois. Lorsque vous faites le bilan, imaginez si vous perdez 2 plateaux par jour, ça fait déjà 60 plateaux le mois. Ça fait une grande perte. Ça fait une grande perte. Vous allez partager la production avec vos sujets. C'était Abdul Khamzi, ça m'a suivi, ingénieur technique d'élevage. Je suis également qualifié en ATPA, agriculture tropicale, option production animale, et en IACP, industrie agroalimentaire et chimique, option production. Abonnez-vous, partagez la vidéo, activez la cloche de notification et surtout, likez la vidéo, partagez avec vos amis. Je vous aime. À la prochaine pour de nouvelles vidéos. J'oubliais. J'aimerais vous dire également que nous sommes disponibles sur Facebook, nous sommes disponibles sur TikTok, nous sommes disponibles sur Instagram et la plateforme YouTube où vous êtes actuellement. Donc, abonnez-vous.